Lors de cette 36e journée, le FC Metz s'est imposé 1-0 s'est incliné contre la Ajaccio avec ce but de Cavalli. Avec cette victoire, la Ajaccio est officiellement Ligue des Champions pour la saison prochaine. L'Olympique Lyonnais pouvait presque se maintenir, c'est officiellement raté. Lyon ira même en Ligue 2 la saison prochaine avec une défaite contre Caen avec un but de Gonalon à la 92e minute contre son camp. Lyon est dernier, Caen est quatrième. Le PSG pouvait toujours espérer être champion de France, c'est largement possible avec une victoire 6-0 contre un avant Guingamp. Deuxième minute de jeu, Cavani trouve la faille. Quatrième, Verratti. Douzième, Cavani pour le doublé, déjà 3-0 à la pause. Pastore à la 59e pour le 4-0. Lucas, 72e, 5-0. Et le triplé pour Cavani à la 84e. Score final 6-0. Le PSG est deuxième, Guingamp est 13e. Est-ce froid olympique quand il y a les attentions de Lorient et Bordeaux? Toujours est-il que ces deux équipes n'ont plus se départager. Au Moustoir 0-0, la meilleure occasion pour une tête de l'OTAN claquée par Carasso en fin de match. Diego Roland manque de réalisme face à Lecomte. Au classement, Bordeaux reste barragiste. Le FC Lorient est 11e. Toulouse s'impose contre Lille. 3 buts à 2 menant 3-0. Lille s'est menant 3-0 grâce à un triplé de Ben Yedder. Toulouse va se faire peur avec 2 buts CSC. Score final 3 buts à 2. Valenciennes, le tenant, quasi tenant du titre, s'incline 3-0 contre Reims, qui n'est plus relégable. Triplé de Depréville au 59e, 72e et 84e minute. Reims n'est plus relégable. Grâce à cette victoire, la Saint-Etienne est officiellement maintenue avec un triplé aussi de Joshua Guilavogui au 29e, 56e et 59e minute contre un but de Stopila Sonzo, la 79e, qui n'y change à rien. Sochaux s'incline 3 buts. Saint-Etienne se rend bien en Ligue 1 la semaine prochaine. Nice a de quoi être déçu avec cette défaite. 3 buts à 2 et Lyon menant 2-0 jusqu'à la 70e. Avec un doublé de Bozetti, 69e et 70e. Nice va se faire peur avec la réduction de l'écart de Nicky Bill à la 83e. 87e, Cédric Barbosa et 92e. Vas donne la victoire aux hommes de Pascal Dupont. Ça fait du bien de gagner ici. Parce que en 2012, on avait perdu 3-2. En 2013, on avait perdu 3-1. Donc voilà, ça fait du bien de gagner ici. Nantes s'incline contre le Sabatia qui ne joue plus rien. 2-0 grâce à un doublé de Giovanni au 29e et 56e. Nantes est 15e. Bastia en rang devant. Et enfin, le match sans intérêt entre Monaco, 10e et Lens 8e, il en est de même, score final 0-0. Pour la 36e journée, Valenciennes occupe la place de leader, la Ajaccio est 3e, Caen 4e du classement, Toulouse est 7e, l'AS Monaco de Leonardo Jardim n'est que 10e du classement. En bas classement, le FC Lorient est 11e du classement, l'Olympique Lyonnais est officiellement en Ligue 2. Pour Reims, Bordeaux et Nice, cela peut se décider. On y est enfin, l'avant-dernière journée du championnat de France, c'est-à-dire la 37e journée, avec Lyon-Bordeaux, Reims-Saint-Etienne, Monaco-Lille, Bastia-Caen, Lens-Ajaccio, Sochaux-Valenciennes, Evian-Tonon-Gaillard-Guingamp. Le PSG n'aura pas choqué de gagner un domicile face à Toulouse pour continuer à espérer à remporter un énième titre après 2013 et 2014. Metz recevra le GC Nice et enfin 21h05 sur Eden plus décalé, Nantes-Lorient.